Alors, on dit bonjour à notre consultant. Il va aimer le moulin, bon ça, consultant, historien, amant de la musique, amoureux de la musique, Patrick Saint-Louis. Patrick, comment est-ce que vous voulez? Eh bien, nous, là, oui, chef. Rapprochez-vous du micro. Je vous salue tout auditeur, tout internaute, encore une fois, et puis je vous dis bienvenue dans le show matin. Très bien. Nous t'ai annoncé déjà et nous allons faire une thématique sur deux aventures avortées. Oui. Deux aventures qui ne devraient pas normalement être avortées. Et oui. Si on était continué, c'est sûr que ça allait donner quelque chose de magnifique. Eh bien, comme je t'avais dit, à l'examen des prestations et des productions de ces deux groupes, pour ce qu'ils ont produit, les performances qu'ils ont fait, on peut dire que les promesses étaient tellement belles et la direction qui avait été donnée à travers ces deux groupes, ouais, moi je les distingue du lot, je les retire carrément du lot, que ça plaise ou que ça plaise pas à d'autres, mais je les retire du lot. Très bien. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des jeunes musiciens qui sont des enfants de deux écoles. Monsieur Jérôme Dédou, monsieur c'est Petit Zéclair. Même ces petits Deep Express, Scorpio, Frédéric Jean, Tabou Combo, Skacha. Donc, et où joignent dans la production, dans la création artistique de groupe. Où joignent dans la création artistique, dans la création musicale. Et les gens qui ont composé dans deux groupes, où joignent la synthèse là. Ce pont-là, le bridge qui manquait entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, où joignent à travers la production musicale de M. Sayo. Ok. So, d'après toi, qu'est-ce qui en était la cause? Eh bien, c'était des mélomanes. Monsieur, avant d'être musicien, ils sont des mélomanes, ils sont des gens cultivés, ce sont des connaisseurs de la musique. Au jeune, dans plaque pour la vie, New York All Stars, là, à travers la musique, Macario César, là, qui est Pablier, ok? Au jeune, à travers de musique, Kanko Kaoline. Et de musique, ou je n'y à travers, et puis n'est-ce pas une propre signature, n'est-ce pas? N'est-ce pas arrivé à faire des hits, des classiques? Musique, on m'a dit, sauve-le, il y a des hits. Ça nous a dit dernièrement, qui c'est que n'est-ce pas qu'à faire des hits qui parlent durer 10 ans? Eh bien, bon, si nous gardons de 86 à nos jours, ou pour une musique, quand on a fait l'amour, que on reprenne pas design, on reprenne, ou bien des musiciens de l'ancienne génération, quand on Claude Massin, qui a fait l'amour, ou bien Sweet Me qui te reprenne, tout le monde reprenne, et tout le monde fait suite. Il y a des gens qui comprennent les nappes de l'amour, c'est design qui te fait. C'est vrai. Des designs après live avec Tipolis. Et Tipolis passé à collaborer à monsieur. Tout. Donc, monsieur arrive à créer, bon, ben, Blackout, encore. Bon, nous allons développer ça. À travers, comme si Mdadou, nous, quand je travaille là, nous toujours, chronologiquement, nous faisons une liste de production, monsieur. Yo, et nous pouvons lire à travers la musique, yo, ben quelques extraits, et puis laisse un débat ouvert. Ok, le début de musique d'après toi, est-ce que son bagage était facile ou bien difficile? Bon, tout ce qu'on peut dire historiquement parlant, c'est que musique voit le jour à travers le concours American Airlines en 1986. Tout comme Jakout Music. Tout comme Jakout Music à travers une pièce sur les Vive Haïti Chérie. Ok, laisse ça, c'est Christophe Lafontaine qui a chanté pour vous. Et laisse ça, qui est tout jeune. Tout n'est qui était sur un rétrophilo à peu près, pour ça. Donc, deux ans plus tard. Et ils vont créer ils vont produire un album à travers Studio Bois Moquette et production, c'est production Bois Moquette lié tout. Donc, l'album ça lui-même, Samba Kadou, il n'est pas caractéristique de sa vie de musique là. Son album d'exploration lié. L'album, non, c'est la synthèse de tous les genres musicaux qui traversaient la société post-1986. Ok. So, jouent Racine la donne, ou jouent Jazz la donne, ou jouent En plus l'influence Zéclair. Ou jouer un ragamuffin à bien des temps avant King Boss. Tout à fait. Bien des temps avant King Boss. Donc son album d'exploration. Et puis ou jouer ça me tarile un compas zo, un compas soft, un compas léger. Ou jouer tout ça qui est caractérisé pour ça. Explosion après 1986 là. Et puis Negurité après album ça 1988 là. Bon, Farinay son instrumental, Bito va au bajou là dans tout. Ou jouer Lionel Volel. Donc Negurité déjà fait appel. À de plus anciens encore. Avec quand Lionel Volel joue saxo et au Kembe Lionel Volel pendant l'album qui suivit. Hein? Dans l'album qui suivit. Et Nexa aussi, c'est des nègres qui sont beaucoup plus élaborés quant à la création de l'œuvre. Nous avons parlé de choix commercial, choix artistique. C'est des œuvres complètement artistiques. Pas de gars fait. Nous n'avons pas de pensée commerce. Nous n'avons pas de faire ça ou puis à le faire comme. Ouais. Si le bon, le bon.
C'est quoi ça pour jeto l'op fait musique si le bon le bon. Alors après ça on parle des man, on parle des orientateurs, des monde qui parle du calibre et puis bon nèg ben en fait non époque connien tout son on nèg gon CD connien au camet commercial ou camet musique élaboré là même des en passé. Oui, mais il y a des gens qui pensent par exemple que le commercial tue l'artistique. Et je pense qu'avec dissolution groupe CRO, nous perdu un pile artistique. Le fait que musique pas souterrain, hein, que New York All Stars pas souterrain, nous perdu un référentiel pour nous comparer ça qu'a fait la gonière. Vous comprenez? Nous perdons un référentiel. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça ne parle pas. Bon, on prend après ça, 1988, Negio produit presque 6 ans après. Donc, tu m'as parlé, tu dis, etc. Monsieur Oka répond lui-même. Negio produit album de guerre. Et là, c'est le virage vers le combat direct. Pur. Qui s'est opéré. Oui, pur. Et paradoxalement, Negio fait virage combat direct là. Alors, forme du premier album, Negio mettait Gadidi de Pérez sur les rampes. Gary DJ Pérez? Oui, Gary DJ Pérez, c'est sous plaque Farina et là. Et c'est Gary DJ Pérez qui chantait presque 4 musiques. Tu es sûr? Oui, oui. Tu es sûr? Oui, on doit passer, on va attendre. C'est musique qui lance Gary DJ Pérez. Ça, anti-jean. Non, mais on va attendre. On va parler de plaque Farina et là. Plaque Farina et là, qui sortit en 1988 là. On va voir c'est Gary DJ Pérez qui chantait au moins 2 ou 3 musiques sous lui. Et puis Christophe Lafontaine là tout, mais c'est plus Gary, voix Gary, vous tendez, avant d'aller dans l'anglais. Donc Gary passait par musique avant d'aller dans l'anglais. Hein. Oui, tout à fait. Ça, je le savais, mais je ne pensais pas que... Il est sur le disque. Il chante sur le disque. Ok, musique... Voilà. Oh, on n'a pas une plaque ça. On n'a pas une plaque ça. Sauter Dim, ça ne va pas porter le pouls. That's crazy, man. Sous des dîmes, moi, on va venir sur YouTube quand même. Okay? Après, on va venir sur YouTube. Donc, on va inviter auditeurs à Internet, on va tendre plaque ça. Et puis, après, son l'autre baïnet. Il est très influencé par Zéclair. Okay? Mais il y a une racine là-dedans. Lolo, Daddy Bobouin, tout le monde va participer dans la plaque ça. Et Bito Vroba participe sur la plaque ça. Tout. Anti-Peters. Oui. Anti-Peters, toujours là, dans toute plaque musique presque. Et. Donc, quand on dit en 94, c'est deux guerres. C'est la première participation de Negio dans le carnaval. C'est vrai. Farina est sorti en 1989. Ouais. Bon. Là, vraiment. Voilà. Mais c'est en 88, en fait, qu'il est sorti. Et 88? Oui, 88. Il était comme musique, il y a vieille parole. Vieille parole, il y a parler avec moi. Parler avec moi. Yeah. Pas quitter l'allée. Pas quitter l'allée. Il y a un pas quitter en Panago, qui sont ragamuffins. Yes. OK. Li gen chovio mandé ak son racine. OK. Li gen pardonné. Li gen pardonné. Donc c'est gen slow ou jeune influence ou jeune tout quand comme dit plaque ça c'est synthèse tout courant musical que t'as traversé époque ça. Ouais. OK. Ouais. Donc, c'est époque non parce que là ça nèg fait une fait philo, nèg a rentré dans faculté etc., etc. et puis en pile bouleversement et puis c'est des musiques assez engagées tout, assez poésie c'est des thèmes l'amour. Tout va explorer à travers Plaxa. C'est vrai que y a beaucoup de membres de Bookman Experience qui ont participé dans cet album. Noé Théodore Bobouin, Mimos Bobouin, presque toute équipe. Magui Jean-Louis tout. Il y a au moins 9 personnes qui participent là-dedans. Et Eddie François qui avait participé aussi dans cette aventure. Eddie Brissot tout sous Plaxa. Eddie Brissot sous Plaxa. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Monsieur jouait musique, première musique là avec deuxième musique là. Exactement. Yeah, tout à fait. Et on veut parler de Yon Vieille Parole avec Parler avec moi. Exactement. Yeah. Donc, comme je te dis, donc en 94 c'est un virage vers le combat direct. Non, pas du tout. Monsieur jouait Yon Vieille Parole avec Pardonné. Tu parles de qui là? De Eddie? Eddie Brissot. Oui. Eddie Brissot. Je vais tromper. Yeah. Ok. Et donc c'est là pour montrer que déjà, caractéristique Monsieur Sayo, ils font appel à des gens très chevronnés. Ouais. Il y a toujours des artistes invités, des guest stars de renom, qui viennent de différents courants, dans toute plaque nègre. Donc, Gampi Limpout. Donc, plaque, une pas semblé l'autre. C'est vrai, tu as raison. Là, il n'y a pas encore de signature de musique dans ce disque. Ouais, par exemple, il y a Kerry Simoniz qui nous fait savoir que il te confond, c'est ce qui m'est arrivé aussi, il confond l'album ça avec deux gars là. Non.
qui a été selon De Guerre, c'est le cri de ralliement. Oui, selon certains qui a été par exemple De Guerre qui a été selon certains le premier album. Non, c'est pas le premier album. C'est pas le premier album De Guerre, disons c'est premier album compas. Mais en dedans De Guerre là, et pas toute musique qui compas classique. Ça n'a pas l'air. OK, donc alors en termes de formation, Negue toujours vient avec deux claviers, deux keyboardistes, une guitare basse, OK, et une guitare solo. Et malheureusement, on va même jouer à la guitare rythmique, même si on fait appel à d'autres artistes, c'est toujours en solo. Alors, supposer que musicalement choix, c'est que on fait deuxième clavier, fait rôle d'accompagnement. Mais voilà, tu as bien trop bagarre là dedans. Tu as pas le grand pile bataille rythmique là dedans. Non, JPX, c'était toujours à deux claviers. Tout. Non, on va parler de deux claviers, qu'on va parler de deux keyboards. Ah, mais non, deux guitares. Non, on solo, on accompagnement. S'il deux keyboards disposés en guitare. Bah, et s'il deux guitares, non, ce serait trop. Non, mais même pire, deuxième guitare qu'un keyboard qui a remplacé. Ah oui, tout à fait. Deuxième guitare, jazz a gagné plus rien avec. Il y a un bagage que le pack a fait. Bah, bon, keyboard là, il couvrit. Chaque symbolique que Jean-Claude Janté. Voilà. Donc, moi-même, c'est seul, Naptone, je dis, c'est seul bémol, moi, gagne sous approche ça. Approche musicale, que éliminer deuxième guitare, love, li, a fait soit fait des balades, etc., li, ka bon, mais, slow, ben, jazz, a gagne rien, et puis, musique, te vine gagne rien. Okay. Parce que te vine Arius, ou gagne, et puis, plaque de guerre, là, Fomzou, li marqué par. Entrée des musiciens, de jeunes musiciens très talentueux avec des seniors. Mm-hmm. Ou gagne Choupit qui vient entrer. Ou bien France Emile, très bassiste, très sérieux, et puis qui composait tout. Mm-hmm. Okay? Et je me suis mis en relation avec monsieur parce que l'homme est parti, je me suis fait thérapie après accident. Non? Mm-hmm. Mon cher monsieur, je me suis fait tête. Dis-moi là. Je me suis fait tête. Donc, Yvon Jérôme. Tout. Yvon Jérôme, donc, ouais. C'est monsieur Sao qui est entré sous plaque ça. Donc, et puis, il y a Mando Oba qui parle chanter combat. Il va chanter combat direct avec succès. Et Mando Oba va venir pour le premier noyau fanatique et Dieu et musique. Musique, ouais. Okay? Et puis, bon, plaque ça, sac maquel, c'est musique et le nap fait l'amour, qui sont solo incroyable, que je considère quand on hit combat, quand on classique. On va parler de solo kéké. Solo kéké. Alors, l'homme tout dit, l'autre bagage, c'est pas flemme à bruit pour kéké, non, mais je pense qu'il y a parlé de jeunes guitaristes, il y a parlé de Condé, il y a parlé de Denner, il y a parlé de Macaios, mais kéké là. Kéké a fait œuvre de créatrice, chaque solo kéké était dans le temps. Son goût, il dit là vraiment. Ben, si me dit le contraire. Est-ce que de mémoire, on a changé l'autre solo, là? Parce que, il y a des solos, normalement. On a changé solo dans Weber? Ou ap songe solo nan Le Nap Fan Lanmwa, ou ap songe solo nan Aizan. Et mizik yo repren. Mizik yo fè ekol, yo repren yo. Ou jwenn ansyen jenerasyon kap jwe. Mwen pou menm pase mizik lan, et pi ma pou rememori. Oui, mwen pase. Pase. Ok, t'en. On apprend à comprendre le nouveau artiste, un living legend qui avait nous en bas live là pour nous balle l'amour. Kéké en bas live là, bye monsieur l'amour. C'est ça artiste là besoin. Côté monsieur directeur, c'est pas ça, et pas là l'aimer lié. Je vous jure que c'est pas là Kéké t'a aimé lié. Kéké t'a aimé son stage chaque jour, bon Dieu mettait, chaque jour que le bon Dieu fait. C'est ça qu'on artiste. C'est ça qu'on artiste. Bye, monsieur Love, moi, en bas, là, thank you very much. Et puis, m'a fait nous remarquer que pendant que solo a commencé, il a été soutenu. Le solo de Kéké a été soutenu par moment. Par une subtilité que Fabrice mettait chaque fois que Kéké fait un mouvement. Et puis, Fabrice répétait le sous piano. C'est pas extraordinaire. Ensuite, contre-temps, Kouloutio. Oui, contre-temps. Avec Yvon Yo. Et Bandeya. Okay. So, m'balle font tirer comment c'est solo. Pour n'attendre chaque fois que Kéké font un bagay. Et puis, il a été soutenu par. Dans l'intervalle là. Parce que chaque mouvement que Kéké fait, il y a un intervalle. Pour recommencer. Son mesure. Justement. Et puis, Fabrice remplit l'intervalle là. Extraordinaire.
Je vous jure que c'est de Non, musique ça, morceau ça, son pièce, c'est pas pour rien. Ouais, tout le monde va jouer. Nous, au design, vous comprenez, il y a des gens qui music design. Des design qui ont joué live. Mais Kerry Simon, il dit qu'il y a vu. Il y a parlé de l'autre. Nek sa qui dit qu'il y a vu, son nek extrêmement exigeant. Mais le type, il a une culture musicale. Et ensuite, alors, nous parlons, nous avons fait chronologie, et puis nous parlons peut-être. Ça fait que les gens ont composé, ils ont fait recette ça. Et puis, nous avons vu sur l'autre aspect que nous n'avons pas atteint. Et puis, nous allons montrer que les gens ont pris revanche d'une certaine partie. Ok, vas-y. Okay? Plaque ça, plaque de guerre. Fabien Mdou, il y a l'arme absolue là-dedans, qui c'est Choupi Jacket qui est dans le jazz. Ok. Ok. Il y a Choupi Jacket que je considère comme l'arme absolue. Ok. Il y a Franz Emile qui est très, très, très talentueux bassiste. Il y a Vadi Fayel qui est Fringant, le fringant va dire que je salue, que c'est bon partenaire, moins bon ami. Et li gagnant Emmanuel Oba, qui saute dans le courant. Qui a aussi un latin dans sa façon de bon, de justement. De latin. Dans ce disque, il y a des appels de pied vers la salsa. Oui, tout à fait. Ok? Tout à fait. Et malheureusement, les va dire pas le passé, mais il n'y a pas le essayer de retourner en latin, il n'y a pas le fond expérience avec Clinton Benoit. Des années après. Donc, nèg yo toujours à explorer l'autre genre. Mm-hmm. Ensuite, nèg yo toujours à essayer de mettre des versions instrumentales. C'était ouais. Bah qui était fait avant dans les années 60, ouais. 70 ou ouais. Après que nèg yo commencé. Donc, il y a eu dans chaque disque, il y a de la recherche. Dans chaque disque, il y a de la recherche que je fais. OK. Now, est-ce que c'est Fabrice qui chita la Kaeli qui a composé? Je ne crois pas mec? Forcément non. Parce que Samuel en Fabrice, et c'est l'ambalgain des similitudes côté jazz là. Jean Jazz là, jouant, il jouait Ligon philosophique en Coupe d'Ibexpress. Tu as deux complices. Qu'est-ce pas un gros guitariste, pas un gros clivage, pas une complicité. Je pense que un bon guitariste, ça que fait pas imprimer là, il est très bon, mais il n'y a pas de complice. Okay. Fabrice et Kéké, c'est deux complices. Depuis ensuite, toujours. L'esprit n'est ouvert, mm-hmm. Tout talent qui a rentré, il a mis des inputs. Donc, il ne se répète pas dans les disques. Très bien. Tu comprends? Très bien. Parce que là, son grand monde qui a composé, qui a fait, premier plaque, l'assemblée, deuxième plaque, on a commencé à répétition. Tout à fait. L'homme a gardé, et puis il a crédit, l'homme a gardé chaque disque, yo, Emmanuel Oba, en y contre, il fait musique. D'ailleurs, musique que vous entendez, Mano Oba la donne, Kéké la donne, Fabrice la donne, Mac Benon Jacket la donne. Ouais, il a fait l'amour. Yeah. Ensuite, on parle vin avec Farine. Non, moment. Alors, mon Dieu, tu comprends, Farinet avec Farinaï. C'est pas même bas. Ah oui. Roman? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Farinaï, son instrumental lié ouais. Avec Bitov Aoba, ouais. Avec ouais. Lionel Volel, etc. Son lot baïnette. Farinet se trouve sur l'album De Guerre. De Guerre. Ouais. Tu vois, comme je l'appelle, c'est le cri de ralliement. Oui, et c'est donc, le deuxième, le second c'est album. C'est le second album. Tu vois? De la formation Musique Musique. Musique Musique. En pile, monde pensait que c'était premier album Musique. Non, non, non. C'est pas. Alors, c'est disons, pas... est-ce que tu veux dire, et le second album. Entre guillemets, commercial de musique, musique. Est-ce que vous considérez plaque comme ça quand on plaque commercial? Non, pas du tout, mais il était différent de premier. Ben premier était oui, beaucoup premier, plus. Premier, pas dit le pied élaboré, non. Premier, il mélangeait différents courants musicaux. Ok. Ça va dire le pied élaboré. Ça veut dire, sous ta dit pied élaboré, ça veut dire l'autre veut qu'on ne pas élaborer. Non, pas on du tout. Pas qu'élaborer. Pour qu'on groupe vraiment. Pour qu'on signature de musique, musique. Voilà. Jean Mine Bobby toujours dit à côté compa. Ouais, côté compa. Compa n'a cherché à votre cogne. Bobby ne bat pas. Côté compa. OK. C'est très beau tout ça mais côté compa. Côté compa. Et ben plaque ça compa à venir. OK, très bien. Compa à venir avec une signature, un genre joué, un caractéristique. Alors côté compa direct là. Eh ben n'a porté ça comme eh ben, élément pour, oui, important. Eh ben c'est ça comme du c'est le virage vers le compa. Assumer. Non, mais tu te plais à dire compas. Compas direct là. Voilà. Compas direct là. Parce que le créateur a naturellement dénommé. Moi, mon compas, c'est un MPAS. Direct. Hein? Direct. Compas direct. Compas direct. Ouais. C'est comme ça, par exemple, que le monsieur qui s'appelle, bien qui s'appelait Nemo Jean-Baptiste, tirait les rythmes. Ouais, si on dit wap, je vais compas, c'est compas direct wap, je vais. C'est un raccourci. Tout à fait, tout à fait. Son raccourci. Son raccourci. Oui, son raccourci. Mais qui pas bon pour... Qui pas bon. Qui pas bon pour identifier Jean là. Justement. Ouais. Qui pas bon pour identifier si Jean. On devait, par exemple, avoir ce rythme dans dictionnaire. Cataloguer. Oui, cataloguer le nom, par exemple. Sur Wiki. Piano. Yeah. Non, piano, par exemple. Même arrivé sur Wikipédia. Non. Ma palo rythmiquement. Oui, rythmiquement. Sur un piano.
même j'ai offert pour bossa nova, pour oui, pour salsa, pour merengue, etc. Il y a un risque que Negio identifie ça comme compas. Il parle les compas. Il parle les compas. C'est compas direct. Il est important pour nous protéger parce que son bémol qui est extrêmement important. Son bémol qui est important parce que monsieur t'attendait avant de faire synthèse là, il relève le compas direct, il a pris du 4 à 5 ans. OK. Tu comprends? OK. Donc il a fait la synthèse et puis il dit bon, il s'est dit bon, la façon dont j'ai fait cette synthèse, c'est que ce rite, je vais le nommer combat direct. Et puis depuis lors, tout le monde sait combat direct. Ok, ça, rite que tu as vu, comment tu as dit avant? Non, tu as dit mambo, tu as dit meringue, mais il y avait de synthèse. Quand vous prenez la musique là, quoi, plaque numéro, c'était la meringue haïtienne. Okay. C'était de la meringue haïtienne. Okay. Tu vois, bon, on a tourné sous des basses, on prend ensemble bocal basse, on prend toute époque ça, c'était de la meringue. Ok. Le monde est joué quand vous êtes jeune. On a retourné sous thématique là, musique, et puis New York Stars. Donc, nous pouvons finir avec musique. Musique, ça c'est 94. Ok, 94. Yeah. Et puis, m'kwe, et si je viens songer de mémoire, alors, Jazz là, vient faire deuxième plaque là, 3 ans après, 97. Ok. Qui c'est album et. Qui j'en ai l'album ça? Kimounouye. Ok. Une très belle pochette. Pochette là dit tout bagage, son question posée, Kimounouye. Ok? Musique ça, c'est ton hit. Moi-même, bon, songer plaque ça bien parce que. Vous dites 94? 97. Okay. En 94, c'est De Guerre. En 97, c'est Kimounouye. Yeah. En 97, nous sommes gélis. Bon, là, nous allons joindre. Nous son album intéressant. Yeah. Album l'ensemble, quatrième album d'Ivia. Il y a l'arrivée de Feu Eric Charles. Ouais. Et sous plaque, ça a deux chanteurs qui chantent. Mano chante, Eric chante. Yeah. Et encore une fois, c'est un autre créateur qui vient se joindre au groupe. Tout à fait. Eric compose aussi. Valdi, t'es qu'il aller. Valdi s'en va. Je suis allé étudier. France Emile s'en va aussi. Ouais, ouais. Tu vois? Et puis, parce que tu as deux nègres qui ont basse, nous changer c'est Kebo. Et puis, France Emile. Mm-hmm. Mais là, maintenant, France Emile part pour les États-Unis. C'est là que je l'ai rencontré. Et puis, moi-même, mon cher, je change l'album, ça l'a sorti parce que il y a Kimounouye, il y a Webe, on l'autre solo encore. On l'autre fameux solo. On va le faire, mon lieutenant. Mais est-ce que tu penses, par exemple, avant d'avancer beaucoup plus loin, est-ce que tu penses que Eric Charles. De Goethe Mémoire a été accepté par les fans de musique. Bon, c'est ce que je t'ai dit. Et Oba crée un noyau de fans vraiment aguerris. Mm-hmm. Ok? Premier carnaval, il fait la veille, t'es pour un premier prix. Donc, et puis, la question pour moi, c'est que est-ce que les fans l'ont accepté? La question pour moi, c'est que le type, il débarque et il débarque avec des compositions qui font mouche. Mm-hmm. Ok? Il vient de notre milieu. Et c'est sûr, moi je l'ai vécu, il n'y a pas d'accepté, même tout le monde qui aime la musique, il a accepté. Le monde qui n'a pas aimé la musique, qui tape le côté superficiel, peut-être, et origine sociale, monsieur, il a fait la fine bouche. Mais Eric a été d'un apport extraordinaire. Ouais, indéniable. Indéniable. Ouais, indéniable. Donc, indéniable. Bon, moi-même, t'as accepté. Ouais. Donc, je me fous de savoir si quelqu'un qui n'a pas accepté. Oui, tout à fait. Je commence à me dire là, mais c'est désolant. Parce que c'est vrai que ça a circulé. Mais les deux principaux acteurs l'ont imposé. Oui, ils lui ont fait confiance. Oui. Donc c'est ça qui est important. C'était par exemple le protégé de Fabrice et de Keke. Mais il n'a pas sorti de là. Parce qu'il y a un potentiel, potentialité. Le type a un potentiel énorme. Ouais. Bon, on n'a pas là et dit où il est dernièrement. Il a toujours dit que le regret n'est pas de James Guetan qu'on Eric. Et que l'aile t'a pas laissé refaire oxygène. Il a refait Eric. Et puis quelques temps après, Eric est. C'était une bête de la nature, une bête de scène. Non, les rics sont extraordinaires et puis c'est un créateur. C'est ça qui est important. Man. Quand tu chantes à Zéon, l'on est quand créé. Tu vois, bon, musique à Isan, ça, encore une fois, c'est un classique. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on attend à Isan. Yeah. D'ailleurs, ouais, le fils de Théodore Beaumont Junior, il y a un groupe fusion, rock et racine n'y fait. Eh bien, qui a choisi à Isan? On parlait de Paul. De Paul. Ok. Donc, ils font adaptation de Haïzan tout. Et de temps en temps, ils gagnent des reprises de Haïzan. Donc, sous plaque ça, ou bien Haïzan, ou bien Kimounouye, ou bien Krabla, mais Krabla. Ok. Ou bien, si je me change de mémoire, ou bien Webe, en deux versions. Webe en deux versions. En deux versions. Ok. Donc, c'est ou toujours. Ou bien Sauver la Caille. Ou bien Sauver la Caille. C'est toujours des synthèses entre la guitare solo et le keyboard. Ouais. Ok, ouais. Donc, ok, c'est quoi par exemple
Ensuite, en compte, faire anecdotique. Mm-hmm. Vous connaissez qui est qui guest star sur l'album ça? Yeah. On partit dans staff system. Mm-hmm. On va vérifier. Mm-hmm. Et mm-hmm. pour Paul Henegen, tout, je vais tomber sur place. Lucien Serrant est là. Lucien Serrant est là. Ronald Smith est là. Paul Henegen. Paul Henegen. Mm-hmm. Et son, Smith, yeah. son seul reproche. Réginal Benjamin. Réginal Benjamin mm-hmm. est là. Donc, ça c'est Fabrice qui était bas anecdote là tout et puis il vient vérifier lui. Son plaque ça, c'est ça net. Okay. C'est le meilleur disque. Ou on a un reproche pour plaque ça. Grand reproche. En général, c'est que l'introduction de horn section de cuivio pas enveloppé musique là, j'en peux envelopper là. Comme s'il pas détaché. Ligne vent pas détaché de c'est quand qu'on le fait après, le monte après, so, c'est ça me pas c'est ça c'est seul bémol moins gain. OK, juste moi pas moi petit Jean pour clair dans dans l'obtendil, vent pas détaché. OK. Comme s'il pas fait bridge, transition bridge, Jean pour le sonner, le pas sonner comme ça. Okay. Et enveloppe musicale bien définie, mais et vent yo cap qui pour faire harmonisation dans passage, il pas sorti peut-être parce que peut-être il fait même l'heure avec deux keyboard yo. OK. Est-ce qu'on va parler en termes de texture là. ou du moins ce qui sont mixing. Là. Donc c'est pour ça que la question est pourquoi on a ressorti un mixage de ce plaque quelques années après. OK. Parce que Mkwe Fabrice ressorti plaque ça peut-être en 2017-2018. On comprend plaque ça remixé. Plaque qui monouye. Plaque on plaque à succès. Vous pensez que il était remixé à dessin? Donc je ne sais pas, je pose la question. Mais même les maps tant de livres, alors gagne de l'album font critique, moi m'entends des musiques avec casque. Allons voir qui est dans quel studio a été enregistré cet album. On a parlé de OK, ingénieur de son. Quoi c'est il y a pas même métal. Quoi c'est Barandi. Il y a pas métal, il y a pas métal. Bois moquette, on va connaître. Monsieur Caribon. Pochette là son monsieur qui est le M de Dune. Mm-hmm. Producteur là c'est Joubert Charles de Rite Mémoire, distributeur Nouvelle Génération Record. But il y a pas metté dans qui studio que il était enregistré. Vous pensez que c'était dans Kai Fabrice? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Bois Moquette, si c'est Audiotech, je ne sais pas. Keke, où est-ce que a été enregistré cet album, s'il te plaît? Keke pour le dire nous, et puis avant que nous prenions... Parce que son plaque, il y a un monde qui a joué vent sur lui sérieusement. Lui, c'est serein, bode. Il y a un pile monde. Monsieur Sonnet, okay? monsieur fait, monsieur gon signature dans le système Ben. Dans Jean que non, plaque de guerre là, tout gagne pile vent sur lui. Trompette, deux trombones, t'es pas devant, non? Okay. Parce que même si on a un bail que je dis toujours, ouais, donc c'est harmonisation, horn section avec ce groupe-là, c'est seul bémol. Ok, ce qui fait nous connaître, il a enregistré Audiotech avec Copanet. C'est ça. Audiotech. Non, Audiotech. Est-ce que c'est Audiotech qui t'a fait Tekyo? Et puis il y a le mixé Copanet, et deux bails différents. Ben, parce mixa, que Copanet, à un moment donné, c'était premier studio digitalisé. En Haïti. Elle dit que est-ce que nèg te gata maîtriser sujet yo équipement que yo gagne. OK, est-ce que ingénieur de son à l'époque qui était par exemple Walk et puis Joe Doré, mm-hmm. est-ce que nèg ça a été maîtriser équipement que yo te gagne pour bay sonorisation normale de compagnie. Alors bagan qui genre d'enregistrer, est-ce que le enregistré à l'ancienne côté tout nèg te chita, y a joué live, joué enregistré. C'est quoi ça monsieur longtemps t'es enregistré ou même. OK. Ou oui, bien, tout jazz par séquence. Oui, tout jazz dans le studio, ouais, en live. Ouais. Tu vois, et pour refaire, ou mettre sac pas bon, et pour mettre sous lit, c'est comme ça, ou mettre l'autre couche sous lit. Donc c'est. Je ne sais pas à quelle méthode que tu enregistres la plaque là. Ok. Tu vois? So, ça, c'était seul type bémol, c'est au point de vue mixing? Au point de vue mixing. Parce que là, on parle de New York All Stars, ou après, différence. Non, mais New York All Stars est venu way after, like, you know. Ben oui, mais years after. Comme débat aujourd'hui, c'est sous deux groupes ça. Oui, tout à fait. Oui, mais New York All Stars. Nous faisons transition là? Non, nous pouvons finir. Après Plaxa, nous avons fait une conclusion sur musique avant d'entrer sur New York All Stars. Après Plaxa, qui marque, parce que nous avons fait irrigation la caille. Donc nous faisons tout un an, c'est Plaxa, nous attendons, tout est terre. Okay. Donc, Aizan, surtout, son musique qui marque. La musique là, parfait. Aizan? Oui, Aizan, parfait. Et Weber, tout, et Krabla, et très festif. Ok? Et son belle plaque. Et puis, plaque là intéressant quand on me dit, ou son j'ai gagné Hervé qui a quitté, et puis Timano qui a rentré. Et puis là, c'est Mano qui a quitté. Et puis, c'est Eric qui a rentré. Eric qui a rentré. Donc, sous plaque, ça, je viens de voir deux chanteurs. C'est quoi, okay? Donc, c'est des faits importants.
qui t'aime dit nous que m'a bien synthèse la fête les ça. M'a bien mandé très bientôt dans Choa et m'a noté ici mais il pas traité. Monsieur et femme du gain de musique mano a composé ensemble sur plaque là. Qui musique? On croyait que ou quoi Weber tout de sous lui. Yo ba tout de crédit. Donc c'est de bail qui est intéressant. Après plaque ça, nèg yo pas le fond plaque jusqu'en 2000. Nèg yo pas le faire blackout. Ça pour nous faire. Bon ça, nèg yo montre yo artiste pas son bon monde dans plaque ça. Comment? M'pas comprendre. Ce qu'ils font colle à la réalité. Ils saisissent la réalité et le traduisent. Nous sommes en l'an 2000 là. Nous sommes en l'an 2000. Ouais. Nous sommes après et nous sommes en l'an 2000 et président Préval fait monter gain problème courant. Même problème ça on a, les problèmes sont récurrents et puis l'anecdote c'est que pendant nèg yo a enregistré Bois Moquette, yo prend courant et puis et tout bagage shutdown et puis nèg yo continue à jouer en acoustique. Et puis plaque la pas passe en acoustique. Ouais. Okay? Pas dit nèg yo te perdre un bagage. Bon, yo pas perdre rien, yo pas perdre dans ça, yo pas get a save. Non mais tu vois à partir d'un incident et à partir de la frustration ou qu'a créé une œuvre musicale. Tout à fait, tout à fait. Tu comprends? Et justement, œuvre musicale ça, il crée justement à partir de la frustration que vous prenez courant, vous avez répété, et puis vous prenez courant, et puis vous avez commencé avec, vous avez continué avec acoustique. Vous avez continué avec acoustique, et puis c'est la naissance de la nouvelle Troubadour. Troubadour. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et puis, les textes sont engagés, les textes sont satiriques. Tu vois? Les textes sont satiriques. Il y a de la dérision, il y a de l'autodérision, il y a de la critique. Ouais. Comprend pour l'histoire, comprend ça pour me faire, comprend Blackout lui-même. Après, ça parle dans l'amour, tant qu'on fait une chance. Kawa, son hommage à Deep Express, parce que Kawa, c'est quand on a une déception de Deep Express, c'est bien. Ouais. Yeah, m'songe, Joda Master dit ça. Le son, les percussions, frappio. Donc, nèg yo traversé par des courants, qui est intéressant. Du coup, il rend hommage aux autres, non pas en copiant, non, mais en jouant sur un tempo, en jouant de telle façon, il te donne des indices, tu vois. Donc, Maronet, moi-même, ça, sont d'autres plaques qui m'aiment. Toutes plaques que m'aiment. Et plaques ça, gain, par exemple, nous sommes en l'an 2000, puis, là. Je veux dire, là, nous... C'est sous plaques ça, Clinton Benoît Barret, tout. Ah, veut dire que... Qui sont d'autres connaisseurs de la musique, tout. Nous, ça peut le faire, nous, 20 ans. 20 ans. Moi, le bon mais placez peut... Blackout, là, pour essayer de perdre un ride. Ok, oui, nous t'as fait sentir un petit peu présence et symbolique, Kéké. Je pense que définitivement, solo guitare que monsieur mettez dans la musique, c'est des solos qui non seulement rété dans la tête, tant qu'on mélodie qu'on chante et chante. Non, c'est vraiment monsieur assumer rôle. Instrument qui a fait ligne mélodique là, harmonique là. Donc les Fabrice Lagué pour monsieur, il fait les monsieur en retrait, c'est Fabrice qui a fait solo. Ou retenez tout. Et monsieur pas peut-être qui green note. Non, même gens avec nèg qui a fait non, solo. Donc c'est là pour la différence, non? C'est le respect des anciens. Ensuite, on part de ça pour faire quelque chose de nouveau. Et puis il y a une signature. Pas rien qui semble en quel autre jazz. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a une signature, et c'est ça, oui, arriver avec une signature, ou paraître pour une signature. Nèg yo fait de guerre avec une signature. Et puis maintenant, les albums se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'input. Il y a 4-5 nèg qui ont composé, 4 mété. Yes, important. Tu comprends? Je dis ça important, je dis ça, li important. Li très important. Li important. On n'est pas carité, la fait bagaille pour qu'on non. Pour un jazz. Mais c'est ça que fait Balvin son l'autre mot là. Avant de dire moi, je profite de saluer les amis. Et Leslie Dauphin m'a profité saluer Vadi malheureusement pas attendre là peut-être là il y a Polo et Polo aussi qui est là Polo le chanteur de Jakout number one. Bon m'a salué Polo tout OK et parce que c'est cheminement musique Jakout c'est pareil ben chaque monde pour un goût différent même toujours dit c'est dommage que musique pas là musique pas arrêté là comme on thermomètre souterrain. Alors nous pas venir sous cause yo ça fait que gain problème après moi-même fait historique là avant. Donc, lors Vingard plaque ça fait, et ça se tend à Isan, solo toujours, il n'y a pas semblé, mais c'est même signature. OK? Et ou Vingard Blackout là. OK? Et qui tout bon histoire époque là. Ça a passé dans le pays. Parce que jazz, ça victime de l'environnement socio-culturel pays. Parce que son jazz qui a décidé qu'un BKT général li, en Haïti. C'est ça, Mbabzou là. Tout jazz qui fait risque Kembe
quartier général yo en Haïti pendant les 20 30 dernières années ou appelé à échouer à disparaître. Faut gon quartier général entre Miami ou bien entre l'autre bord ici. C'est ça qui va être fait, c'est ça suite mi qui était fait. N'a pas de quartier général yo ici vrai. Vous pensez que si tu vas être ici tu t'as casé déjà? Oui, t'as casé parce que il faut bien comprendre l'ancienne génération, je te dis, jouait du lundi au lundi. Ouais, c'est vrai. Or, ou c'est des groupes pour bounty staking, ensuite massio, ou couper de massio, pas jouer pour massio. Ou commence à perdre. Ça, c'est l'autre phénomène qui boit érosion, on va dire. C'est pour ça que le combat direct n'est plus devenu la musique des masses populaires. Qu'on a un phénomène sort la agonie. Vous pensez que les vinaigres d'élite? Oui, un peu, oui, pratiquement, parce que chaque balle combat direct. Est-ce que tout le monde la donne? Même ouais, ou même, est-ce qu'on carité carrément les. C'est 1700 c'est 30 dollars. Les New York Vignes là, ou bien les classes Vignes là, ou cal dans tout le balio, ou café, ou cas suivre Negio pendant 3 semaines, à tarif là, tandis que avant tes cafés. Avant, le compas direct qui était pour toutes les bourses. Maintenant, c'est devenu un truc d'élite. Nous pas même besoin de parler de réalité économique, pas vrai? Non, mais c'est réalité économique là qui font jazz, qui font musique. Negio pas qu'à vivre de musique. Ou gon groupe nan Negio, c'est des professionnels. Et pour gon groupe nan Negio, time et vivre de musique, Negio pas capable. Et puis on commence à faire gig l'autre côté. Tu comprends? Donc ça c'est Napvin Soas fait ça après. Ok? Et ensuite là, moi-même, ça me va profiter de dénoncer là parce que moi-même, je peux parler parce que son consommateur. J'achète musique haïtienne, je consomme musique haïtienne. Bah, on m'accepte bootleg. Souvent mon musique, moi-même, bah chercher CD à m'acheter. Bah, c'est ça que je me suis donné comme discipline. Avant ton collectionneur aveugle, depuis bah là, faut pas me sortir. Quand il me vient un collectionneur sélectif, s'il va bon, bah acheter. Ok. Comment tout à fait, tout à fait. Il me vient plus sélectif. Mais Sam Kadzou, c'est que Sam va l'énoncer, c'est que en 2008. C'est là pour ouais, intervalle entre chaque 10 de musique pour que gon problème. C'est des intervalles de 3 4 ans, parfois c'est 5 ans. Ça c'est 2000 blackout. Et 2008 n'ego pas sortir une très belle plaque qui relait paradis dans l'enfer. Me changer les ça montrer, me vient dans tête maman. Non pas non, montrer les ça et avant 2 ans avant tremblement terre et puis m'a chercher plaque là. Et puis yo dit musique sur son plaque. Et puis, dans quelle radio m'a dans des plaques là? Pour moi, c'est un disque qui a été bon écouté. Le dernier album de. Ah oui. Même, folie, faut passer. Bah, I don't think I have it. Là, tu vois? Mais au niveau distribution, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas. Je n'ai pas là. Tu n'as pas. Oui, il n'y a pas dit dans l'affaire. Paradis dans l'affaire. Hein? Il a. Ils ont très ils ont assez compas, ils ont la vie cabelle, ils ont paradis dans l'enfer, très poétique. Non, moi-même, pas d'Haïti, non, le bas ça. Un baiser Zamzou, tu dois, faut aller redécouvrir, puis faire mon redécouvrir. C'est pas un petit plat quand je vais non lié. Son compact très soft. Alors ça me donne qu'à dire tout. Au niveau commercial maintenant, faut que tu augmentes les bits là. Ça c'est caractéristique toute jazz nouvelle génération. Il joue trop lent. Ok. Le bit doit être augmenté. Il y a deux jazz qui jouent à 120 bits, frère. Deep Express? Oui. Tabou. Donc, faut qu'à sous plaque là ou accélérer. C'est quand vous n'avez pas qu'à jouer vite encore. Ça fait ça? I don't know. Peut-être ligne et bande et rien de jazz là avec un guitare accompagnement. Pas qu'un bon guitare et accompagnement. Là, même qui t'a plein de ça. Tout n'est que au devant de la scène à faire solo. Mais il ne faut pas faire solo pour solo. Il ne faut pas faire des solos longs, inutiles, et puis que tout le monde oublie. Il y a cette tendance maintenant. Puis tu as un bon rien jazz. Bon, ouais, mon cher, vive Claude Bassin, vive Vivian Stevens, vive. Bon, regardez le mariage Ronald Smith fait avec Reginald Benjamin. Vous pensez que tu as un système sans lui? Ouais, je pense ça. Ouais, il est important. Comment? Il est important. Jean-Claude, je ne parle pas là. Tu as un problème. Il y a une pile importance pour rythmique. Musique là. Ben, c'est important. C'est pour et code ou faire. Ou faire qu'on pas direct. Bon, nous venons entrer, les marchés, des succès à vous comme des sur qui ça. Jean-Claude Jean. C'est Bandéa. Et puis, tout Bandéa d'abord. Et puis, l'on va prendre une ligne qui, Namita, on a parlé de Jean-Claude Jean, l'autre bassiste, l'ancien bassiste. Adolphe. Ah non. Adolphe Chancy. Le roi de la basse. Et puis, Gary Rézil. Avant Gary Rézil, oui. il y avait l'autre gars qui était un. Élysée. Ouais, Élysée qui était
ont l'autre style de guitariste. Oui, vraiment. Oui, monsieur, dans l'autre planète tout, mais il va faire une planète compas. Nous c'est ça, on besoin ça parce que nègre jouer trop. C'est un guitariste classique. Nègre jeune et puis a joué trop lentement. On prend qu'à ça succès, c'est parce que je vis tout. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça a son problème, il faut que nègre augmente les bits là. OK? Moi même pas un problème. Qui te dit que ni Joël Meyer ni Mouchi Nagyo te vin la, Nagyo te fè, on te realize de trè bel interview avec Nagyo. Mm-hmm. Nagyo te mentionne justement BBM, musique là, il faut que l'augmente. Il faut que ça a toujours été une question, tu dois savoir quand le ralentir, quand l'augmenter, mais il faut commander. Nagyo fè, si Mano fè, il faut ça. Si Mano pas ton chanteur qui te ka joué vite, eh ben, yo fè le passe examen. Est-ce que vous pensez que le pas te ka joué vite ou du moins non, l'école que l'on sorti là. L'école volo-volo, son école balade. Son l'école plus boléro, tu vois, et avec un saxophone alto cap joué. C'est l'école de Skacha, volo-volo. C'est l'autre école. Mais l'on vient non, groupe Kankou Dipi Express cap joué à 120 bits. Ou en musique Kankou Voye Mla Kayman, ou en musique Kankou Dipi retourne. Mon cher, formé de. Après, il fait monsieur chanter m'enrager. Et puis il passe examen, il fait le chanter réalité, il passe. Maintenant, il y avait un petit problème au niveau de la perception des fans. Ben non, David t'es joué à première version David là, t'es joué à 110 120 bits tout. Mm-hmm. C'est garanti lui. Yeah. Parce que musique là gagne trop mélodie, il gagne trop blues la donne mm-hmm. pour aller jouer vite. Mais ça a été un succès. Ouais. Tu comprends? Donc c'est stratégique, mais quand tu joues toutes les pièces sur un même beat, même musique ou t'as avec festif là, non dit Jean trop lent. Donc ça prend du temps mm-hmm. à démarrer. Il n'est pas arrivé sur Mounio beaucoup plus vite. Sur musique étrangère. Pour Haïti, de quoi font bagay? Haïtien ou haïtien, pas de problème. Parce que Mounio a dansé collé, Mounio a bagay. Mais de pour besoin. Non, sur pas objectif. Mais de pour besoin changer frontière, il faut augmenter bit là. Tout à fait. Il est important pour nous passer parce que il y a des choses que tu n'as pas encore dites concernant. Bon, le dernier disque est sorti en 2008. Je pense que c'est un disque qui a été boycotté et par les animateurs de radio. C'est un disque quasiment méconnu. C'est quand son nègre font œuvre et puis enterré. Et c'est un disque à découvrir. Bon, moi, je t'invite pendant des émissions de la semaine, de temps en temps, pour pêcher en musique et pour passer. Ouais. Fais ça pour moi, Evan, s'il te plaît. Tout à fait. C'est Philippe Lavanette qui t'a produit l'album. Qui t'a produit l'album, ça. Anti-musique. Yeah. Non, ce n'est pas le premier album que je produis. Quoi, De Guerre, là, il produit le tout. Ou bien Hibiscus Records qui était produit De Guerre, là. Bon, maintenant, ça m'a dit de Negyo, alors, c'est que les Negyo, après Blackout, Negyo entre dans Troubadour. Musique, tout nos plateformes pour la nouvelle, toute série musiciens nouvelle génération. Negyo prend musique, Negyo, yo remanie, yo adapte, et puis yo vend produit. Et puis, public nous toujours dit, public qui est bien important pour nous, qui sont nos cousins antillais. Ouais. Je passe examen, nèg yo joue devant le stade. Et puis nèg yo font synthèse. Et là, pour nous, là, c'est les enfants de deux écoles là. Dans synthèse, ça, Laos joue, Michel Madeli joue, mm-hmm. Jude Jean joue, Garcia Deleva joue, Istandoubi joue, Raymond Casus joue. Est-ce que vous comprenez? Loubella sous stage avec. Je parlais de Projet Troubadour là. Projet Troubadour. Ouais. Projet Troubadour a dit cela fait avec les musiciens de la nouvelle génération. Mm-hmm. Ça veut dire yo projeté nèg yo zanti côté yo pas de jamais aller. Mais son transition qu'a fait. Et puis maintenant en live nèg yo relance l'ancienne génération. Nous trouvons ces plus bel projet qui pi aboutique j'aime fait durant ces dernières années. Ça pas fait long feu. N'a pas fait long feu mais qui a montré la capacité que on peut faire et du commercial et des bonnes choses ensemble. Mm-hmm. Ça répond à toute question d'Abdio. Ça, il montre parce que c'est compa color là nèg yo fait. OK, now mon petit bail qui passe dans tête moi là. Mm-hmm. Tu disais tantôt par exemple que il nous faut augmenter le beat. Oui. Augmenter le tempo. Mm-hmm. OK, pour nous passer dans l'échelle internationale là. Oui. Troubadour son BPM de peut-être 65, non, 70. D'accord, avoir. Mais son autre type de musique qu'on va faire découvrir. Est-ce que tu comprends? C'est ça, son autre type de musique. Sur le compas direct doit se jouer, par exemple, à tempo 120. Non, je ne dis pas. Je dis qu'il faut une stratégie sur un disque. Sur un disque. Mm-hmm. Tu peux jouer à 120.
et puis gagne l'autre ou baisser. Oh, si on pas qu'à jouer. Une chanson ou deux chansons. Une ou deux. OK, très bien. Une ou deux. Très bien. Tu faut gagner parce que parfois c'est une seule musique, une seule pièce qui commercialise le disque et qui permet de découvrir les autres. Ouais, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas jouer toutes les pièces sur le même tempo. Troubadou, c'est un autre genre qu'on a fait découvrir aux Antillais. L'album, ça a été salué même en France. C'est un jeune artiste, toute bagaille. Donc, et puis, c'est les arrangements qui étaient extraordinaires. Parce que César Yavora, musique de Tabjoua, et bon, musique vite. Mais son tellement intéressant, ce date-là, que tout le monde est. Il passait à l'international. C'est pas la vitesse du beat, non, mais c'est une musique dansante que tu fais. Pas oublier ça. Ça fait que Emouchi joue El Zouza, et même Mabzouza, son musique dansante, on fait. C'est pas de la chanson que tu fais, ni de la balade. Donc, par contre, dans un disque, tu peux avoir 3-4 genres. En lieu de place de chanson, tu veux dire chansonnette? Chansonnette. Il y a la chanson, il y a la grande chanson, il y a la chansonnette. C'est ce que c'est pour cette raison. Important. Non, mais c'est pour cette raison que je fais différence là. Non, mais justement, j'insiste là. Parce que Grand Koumdou, gain de nèg là, gain de nèg dou, gain de nèg Grand Koumdou, gain de nèg nous c'est Frédéric François haïtien. Ouais. Tu comprends? Ouais. OK. Donc là, c'est là Mdou concentration de stratégie musicale, on pas quand même venir même bagarre sur CD parce qu'on gain place pour jouer musique. Ouais. Tu vois, donc moi je me disais ça me qu'a dit pour partir ça et puis nous qu'a passé à New York All Stars. OK, allons-y. Bon. New York All Stars, on va passer à New York All Stars, mais avant de se faire nous pour nous n'a saluer quelques monde, Bello ça qu'a fait Bello et zanmi nous dans Brooklyn. On salue aussi Michel Châtaigne. Un gros monsieur Didi Santana qui est le guitariste de Musique. Et puis tout le gratin de la musique haïtienne, y a tout là avec nous et ça nous fait plaisir. Ok, avant de passer à autre chose, on va passer par exemple. On a pratiquement terminé. Il y a d'autres choses à dire, c'est sûr. Mais nous t'as même invité Keke qui est extrêmement occupé, mais ça nous a fait plaisir de le voir ce matin avec nous autres en bas live là. Keke, l'invitation est lancée. Nous t'as même gagné très bientôt dans le show. Hein. Et puis on va passer à l'autre invité pour ce matin qui est encore une aventure avortée. On veut parler de New York All Stars. Moi, je vais entendre une musique New York All Stars que nous partageons souvent, mais qui est d'une qualité vraiment extraordinaire et qui a été chantée par une femme. Une femme qui gagnait. Cassandra. Oh Seigneur Jésus, on ne fait pas mieux en matière Cassandra de chant. Cassandra Joseph. Son voix vraiment, je vous jure. Cassandra Joseph avec son timbre, avec le timbre de voix qu'elle a, et puis avec la justesse vocale qu'elle a aussi, il était mérité d'aller beaucoup plus loin. Il y a donc, pas ça, là. Promesse, non, promesse. Avant tu avortes. Belle promesse, et puis avant tu avortes. Voilà. Ah, belle bague. Hein? En bien, plaque ça sorti en 1988 lui-même comme quelque chose de soudain. OK. C'est quand qu'on a dormi et puis qu'on baille qui le vaut. C'est une musique qui vient vers toi. Très bien. Et elle a été reprise aussi par tous les groupes de l'époque. C'est vrai. C'est ça m'a dit, oui. Musique ça a l'air au bon, tout le monde obligé. Ouais, au suivre train. Et pour moi, c'était pas dans le but de faire un groupe hein, à l'époque. Et d'après ce que je sais, parce que c'est Yves Abel. C'est un projet solo. C'est un projet solo. Ouais. Il gagne Jean-Claude Jansouli, il gagne Yves Abel, il gagne Welmir Jean-Pierre, et puis il gagne Amson Jeune. Bon, moi, j'aime dans des voir ça, première fois, je me dis, oh, quand nous voyons Yves Blius, ça a sorti. Parce que... Monsieur, vous voyez Blius? Eh bien, c'est pas que le gagne voix, non, mais c'est le style. Il sort de l'ordinaire. Okay. Dans le paysage qu'on parle. C'est comme ça que je considère Hervé. Ah, okay. Et je me suis dit, Mbappé dit, c'est l'air. On va pas parler de timbre vocal. On va pas parler de timbre. Ah, ok, très bien. Ok? Mais il sort de l'ordinaire. Je me suis dit, l'autre phrasé musical, l'autre son. Et l'album a bouleversé le paysage. Je me suis dit, les plaques ça, je me New York, les plaques ça, dans Queensland, mon cousin qui était dans CD Store. Et ça, Philippe Lavlanet a produit en pile. Bien que je ne sais pas c'est Philippe, ton produit l'album ça. Mais plaque là fait beaucoup couler beaucoup d'angle. Alors plaque ça elle est gaspillée. Yes.
c'est pas Tibato, non, gaspillé. Je pas pensé que Tibato parle un succès, d'après moi même. Yeah. Musique Fala, c'était gaspillé. Tout à fait. OK. Et Tibato a cassé la baraque. Tibato a cassé la baraque, donc pendant que Jakout reprend tout, font une sorte d'adaptation avec le Bajon. Parce que tout jazz, tout jazz, tout jazz reprend Tibato. Seule musique, musique qui ne peut pas répondre. Mon cher, et Tibato fête, et puis 2 ans silence radio. 2 ans après, en 2000, gon plaque qui sortit, tout le monde demande qui big ben ça. L'homme dans des plaques, ça a sorti, il y a plaque pour la via. Mm-hmm. Et puis là, j'en dis à son jazz Pelé net. Pelé. Macarios. Pelé. Et Jean-Claude, et Yva Bell était toujours là. L'aventure est partie après le succès de Tibato. Après le succès de Tibato. Il fallait faire quelque chose. Et puis là, c'est l'orchestre sort, son orchestre qui crée les arts. Mm-hmm. Il sorti avec un son à son frère Paul, là, Ndagadjo. En termes d'orchestration, en termes de finish. Okay. Et c'est là que tu vois les soufflants, horn section, non? Mm-hmm. Ou pas le Jean-Lee, mariage a bien fait. Mm-hmm. D'ailleurs, on a pris Loving You, Skacha, on refait le Jean par yo, et puis c'est son bagaille. Ouais. Plagago, moins 6-7 musiques qui sont sous lui, monsieur. On peut dire carrément que, apparemment, c'est musique Negio. C'est bien, c'est Loving You. Loving You a son vrai, c'est ça, vrai, une adaptation réussie. Réussie. Tu vois? Extrêmement réussie. Toute musique sous plaque-là, c'est au moins 6. C'est comme le 10 de musique. Tu as au moins 5-6 musiques, 5-6 pièces que on pas de côté pour mettre. Mm-hmm. Ou sauter dans une ou dans l'autre, etc. Et puis, il n'y a pas semblé. Il y a la signature. Ça, c'est très important. Hein? Ouais. Ou est-ce son jazz qui a une signature du. Même les négoires font $2 après. Et certains n'ont pas. Mm-hmm. Signature est toujours là. Mm-hmm. Tu vois? Mais deux chanteurs, talentueux. Et puis, sans ce qu'on peut dire, là, bien entré. Mm-hmm. Mon cher, et moi-même, son plaque, chaque l'aime tendel, me dit on a raté le coche. Public n'a pas d'attendre ça. Type de niveau ça. Mais c'est l'île besoin. Parce que l'autre tire vers le haut, tout le monde est obligé de suivre. Tout à fait. L'autre tire vers le bas, tout le monde est en bas. Ouais. Parce que le plus facile. Oui, tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. L'autre tire là, nous avons un niveau big man et quand comme des jours, si M. Sauté continue, nous même qui rete, nous avons songé longtemps. Nous avons fini de babiller. Nous avons fini de babiller longtemps. Oui. Avec deux aventures. Beaucoup de promesses et puis nous n'avons pas quelqu'un. Musique, ça s'explique par l'environnement socio-politique dégradé d'Haïti. Mm-hmm. Mais pour New York, je ne comprends pas. Si on ne comprend pas ce qu'on dit là, ou ce qu'on dit tout à l'heure, immédiatement, on jazz, gain quartier général en Haïti, il est appelé à disparaître. Oh oui. Créole là, gain quelque temps, là. Mais ils ont leur stratégie. Les guérites là, etc. Mais est-ce que Créole là, son groupe qui produit chaque semaine? Donc, il faut qu'on l'autre baille, les gars, fait. Je te le dis, ou bien doit demander les laisses là, qui j'en dis puis expresse quand je veux. So, il y a plus de marché en Haïti. Mais il n'y a pas de marché en termes d'animation. Il y a peut-être un marché pour produire, et même le marché pour produire des CD. Il est tombé. Okay. Regardez ça qui vient dernier plan. Et musique, qui s'est passé. Ça n'a fait avec Tropic, Septembre, Mas Compas, qui. Qui crée marché par Babal dit que Mas Compas dans l'arrière-pays. Babal dit Mas Compas son jazz régulier, mon cher. Attendez. Septan Tropique. Septan son business, Tropique son business. Institution même. OK. OK. Yo cherchons l'autre gens pour survivre. Même pas quoi que est-ce que c'est prestation dans centre qui fait survivre. Avant c'est pas prestation dans centre. Non, c'est en tournée. Oui. Ils ont un QG ici, ils sont en tournée. Mais là, si tu n'es pas en tournée en étant ici, qui vont faire là? En tournée où ça? Bon, c'est-à-dire que dans la diaspora haïtienne. Septembre et Tropique, c'est des phénomènes haïtiens. Nous disons ça, pur. Oui. N'en déplaise. Tout à fait. Tu comprends? Mais ça veut dire qu'il y a un marché. Si au cas existe. Il y a un marché parce que les groupes qui viennent, les New Nuclear Design, ils viennent rafler. Mais c'est occasionnel. Il faut créer l'événement. Moi, je te parle de régularité. Dans le marché. Ouais. Est-ce qu'il y a un marché régulier qui permet aux musiciens de toucher chaque semaine? Parce que actuellement. Est-ce qu'on est au courant de ça là que Gon Jazz, côté musicien, touche chaque semaine? Non, pas du tout. Mais c'est la mienne avant. Donc, musique, Jean pour le tailler. C'est ça qui pose problème, Jazz Full Band Live.
12 nègres qui vivent dans le jazz, ou 14 nègres qui vivent dans le jazz, qui j'en fais? T'as ce que jazz entend, puis on le fait chaque semaine, fait. Chaque semaine. On jazz quand coupe, 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 chaque semaine, dis-moi, espèce, on le fait chaque semaine. Du lundi au lundi. Pratiquement, t'as vu du lundi au lundi. Ouais. Et c'est pas une légende urbaine. C'était une réalité. Donc là, et c'est ça que vous avez un propre équipement, vous avez un propre bagaille. Et c'est ça qui fait toute polémique là, loin, on jazz pas fait carnaval. Il vient pire. Côté, et on a voulu faire comme carnaval là. C'est à partir du carnaval là qu'il va le connaître. S'il va le connaître. Tandis que longtemps, jazz, longtemps, c'est bel carnaval pour le faire. Pour le capitaliser sur l'histoire. Soigner, yeah. Mais ce n'est pas carnaval là qui a fait le faire comme là. C'est différent. C'est différent. Quand il y a là, le carnaval là qui peut faire le faire comme année, comme rentrer. Carnaval là, c'est investissement. C'est investissement. Okay. Tandis que jazz d'autre bois, c'est sous deux volets. Longtemps, c'est sous deux volets le jeu. Lui, je suis sous carnaval là, folle font bel carnaval pour attirer, pour le quimber. Et public. Mais ce n'est pas carnaval là qui a fait le fait comme année. Ouais. Donc là, moi-même, j'ai ça. Alors, ce n'est pas carnaval là en soi. En soi. Ouais. Tu okay. vois. Tout à fait. Mais, qu'un bon quartier général, on dit ici, bon, majoritairement, moi, je pense que c'est ça le problème. Non? Parce que nous, t'es quand suivre musique, musique, c'était King. Bon, les mal suivre musique, musique, juste sous. Yo, t'es continué avec le bio ouvert. Et pour Clinton, Benoît, entré dans le groupe là. Et non. Satani jumelles, sous frères là. Oui, okay. deux frères. Ouais. Mais maintenant, et la régularité, il faudrait un imbolele, un djumbala, chaque semaine régulièrement. Et pour un petit steak qui dit, il faut qu'il y ait 4-5 fois dans la semaine. Pour qu'un bille. Or, insécurité est dans, environnement sociopolitique est dans, ben, il y a fait ça. Donc, majorité groupe, yo tape vivant Miami et Haïti. Et une transition qui fait de New York vers Miami, qui vient plus facile pour certains, donc n'a gueule d'Haïti. C'est tellement vrai ce que tu dis. Où qu'on ait un jazz là qui m'a écrasé à cause de carnaval là qui n'a pas fait l'autre jour? Ben bien sûr. Ça a fait toute une polémique en termes de conscientisation, participer ou ne pas participer, mais c'est c'est un choix de survie. Non, mais c'est même pas dans le paramètre ça que nous disons, non? Dans qui paramètre, c'est parce que carnaval là, il y a un payroll qui peut le faire. Et il y a des gens qui tapent tant de payroll. Tant de payroll là? Bezams, oui. Et deux par deux, ça c'est carnaval en soi qui parle de tout ça. Ok, mais dans la même optique là, si jazz a une superbe prestation, superbe meringue qui est extrêmement populaire et il est bien déposé sous béton, ça peut le garantir une belle année. Oui, mais ça c'est une stratégie depuis longtemps que ça a été toujours et tout. Même si vous avez un jazz là que vous êtes obligé de programmer à tout va. Quelles que soient les circonstances. Son stratégie suicidaire. Je ne vais pas citer le nom, mais. Oui, mais je comprends ce que tu dis après. Je ne connais pas bien citer le nom. Même je connais des types qui, par exemple, des maîtres jazz qui disent yo, bon, programme jazz dans moi. Programme jazz dans, sinon, ma perte du jazz dans. Programme. Quel que soit ça, il y a programmé. Ben, c'est grave. Mais il a montré que faut Haïti ranger. Il faut être rangé. Ouais, Philippe, tu as parlé que les gens ne sont pas finis en parlant de Leslie avec Haïti. Mais il n'y a pas de signe. Ouais. Naturellement, ceux qui sont là, ils se battent. Mais maintenant, ils vivent de la musique. Mais ici, c'est difficile. Leslie Dauphin, tu comprends ça que Tuesday to Sunday. Monday was a payday. Oui, c'est ça. C'est ça, il a les 16 centimes, je connais ou pas connais. C'est du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Le lundi, c'est le jour où on paye. Le jour du repos et le jour de la paye. Du paiement. Ça, c'était le groupe qui était géré. Ouais. C'était des groupes qui étaient gérés. Dibi Express, son modèle de gestion lié dans un ZA. Quand il y a un autre problème, oui, mais c'est ton modèle de gestion. Ok, on va retourner à notre. Donc, on y a un New York All Stars. Le second disque. 2000. Beaucoup de promesses. Jeune petit, Hélène attendait ou attendait son gain en plaque ça. Et puis paf, silence radio. Armstrong disparaît des radars. Macaire Steven fait un jeune petit groupe qui est les doses. Ok? Ça, c'est un projet que Jospitre, qui habitait Miami, a gagné. Et puis il y a les Nexaïo.
mais son projet qui mourit dans l'œuf. Tu parles du projet Doze. Doze, yeah. Oui, oui. Yeah. Ils ont sorti un superbe disque aussi, un disque qui était assez intéressant. Avec qui pas niveau de l'école, ça. Avec on l'autre, premièrement, on l'autre sonorisation. On l'autre sonorisation. Et puis, ce que tu demandais, il y avait le BBM était à plus ou moins de 120. Oui. 120, oui. Ouais. Oui. Ils avaient augmenté le BBM. Ouais. Et ce que tu as demandé plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Augmenter le BBM. Et où senti tes grands joies de vivre dans la musique. Musique là, sont belles plaques. Mais qui pas diffusé tout, problème de distribution, tout. Il n'y a pas grand pile monde qui connaît plaque d'os ça. Oui, mais problème de distribution, mais aussi problème de promotion. De promotion. Tu vois? Il faut avoir un cachet pour les promotions. C'est ça, m'a besoin dans la première émission. Non, hein? C'est les métiers qui entourent l'industrie du spectacle. Mm-hmm. Ce n'est pas tout le monde qui a dit au promoteur, ce n'est pas tout le monde qui a dit au monsieur, ce n'est pas tout le monde. Tout ce qu'on avait parlé, la différence entre agent et manager, les choses qui se confondent. Il faut que. Monde qui mieux pour t'organiser ça relie l'industrie musicale haïtienne, c'est tout un cap étudié aux États-Unis. Mm-hmm. On remet musique, moi on est qu'un coup au film, moi admettons pas de faire ingénieur, bon et ben moi même d'abord apprendre un métier de l'ordre du spectacle, le management des événements de spectacle. Oh on est que café l'autre bois. Et puis on t'avine des professionnels cadre artistique, chercher stratégie musicale, stratégie de performance pour leur pas jouer, etc. Parce que gain de jazz. C'est ça que fait musique, au moins, l'heure que vous faites Haïti Troubadour, vous prenez revanche, parce qu'ils ont conquis le public entier. Mm-hmm. Tout à fait. Parce que musique entière, et le public haïtien ne connaissait rien de ce qui se faisait ici pendant 20 ans. Ah bon? Oh non, non. Moi-même, moi qui t'ai distribué King Bassi, l'autre bois. Il n'y a pas de courant de King Bassi. Non, et moi qui distribué King Bassi. Nous sommes dans FX Studio. Gilbert ba yi bam 2 3 CD et puis m'a dit bon voilà la nouvelle mouture de la musique haïtienne ba ça yo tande en fait mon dieu découvrir Black Alex na Haiti tout partout et je comprends pas mais après ça tout ce qui se faisait ici est resté haïtien ou haïtien et puis moun ça aurait scotché dans l'ancien combat direct là bon raison ben bon raison la forme musicale l'enveloppe c'est là dans yo retrouver moun yo pas prendre musique Kassavia faire ti moun petit jeu non. C'est musique Magnum, frère des gens, Deep Express, Scorpio. C'est bizarre, ben, ça, vraiment. Faut pas voir ça, non? C'est vrai. Regarde ce qui se passe aux Antilles. C'est l'orchestre philharmonique qui a fait Timon 10 ans jouer des classiques du compas direct. C'est vrai, ça. Vous comprenez ça? Ouais. Nous avons regardé un enterrement là. Gondam qui mourit. Gondam qui mourit, et puis c'est l'Hélène Chérie, Fiamande, et puis on chante pour lui. Et l'Hélène Chérie, quel que soit l'or, la guille, la musique, la magie dans son. Bon, on zon bail. Même si moun yo scop moun babay la son hit lité la lozanti oui c'est un marché qu'on a pratiquement perdu apparemment. On n'a pas perdu parce que celui qui l'a bien compris c'est Michael Guérin. Il est en train de faire une percée là à travers et pas Jean Tabou Combo fait pour lui première fois et puis toute l'année dernière Magnum ouais pas marché ici là. Ça a guichet fermé Magnum Ouais, je sais, moi connais. À guichet fermé. Moi connais. Tu comprends? Donc c'est pour ça que les réunions, la réunion de la collade de New York, c'est fait et son spectacle à Trium. Frère des gens réunion à Trium. Jetex que mon New York pas attendait. Jetex jouait avec public assistance debout à Trium. Belle performance. Coca ouais sur YouTube. Et ils ont fait CD, DVD, Abvan. Ça nous pratiquement pas arrêté sur New York Stars. Hein? Les 10 dernières minutes, bon, il est à midi définitivement, mais nous allons prendre 10 minutes sur le ça et pour nous prendre question Mounio à Patrick. C'est sûr qu'on on devra revenir sur cette thématique qui n'a pas abouti, on n'a pas touché le fond. Hein. Non, c'est à toi de poser les questions maintenant. On peut conclure, hein? Mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est toi. Nous pas épuisé pratiquement. Nous pratiquement dit c'est genèse de deux aventures avortées. Mm-hmm. Mais c'est vrai parce que pourquoi moi j'ai dit que c'est genèse de deux aventures avortées. J'attends vos questions maintenant, par rapport aux promesses que Negu a pu et Forme du New York Club, c'était commencé à performer live tout. Mm-hmm. Et live Negu était aussi bon que ça dans le studio d'enregistrement. Tito, l'essentiel fait nous connaître et voici sa question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Bon, qu'est-ce qui doit être fait? Repenser le logiciel. Il faut repenser le logiciel. C'est-à-dire que être d'accord que la qualité doit être le premier critère avant. Ouais. Ensuite, à cette qualité, tu vas associer. Parce que si nous montons qualité à haut. Il faut camper sur le commercial là.
ou pas camper sur lui. La prioriser artistique. Man, d'abord prioriser l'artistique. Le premier jet doit être artistique. Okay. Pas brimer. Ensuite, c'est quand comme d'azou les éclairs formés, ils ont pas chance. Si ou peut d'ab dit ah ça pas marcher, ça pas marcher, ça pas marcher, eh ben mon cher, ou pas le fond bail médiocre. Mm-hmm. Premier jet ou la gueule, quand ou pas prendre contact. Pas prendre contact son soufflier. Mm-hmm. Yo la gueule. Que le pas prendre contact, que le déception, que l'apprendre parler, toute musique yo casser la baraque. Bon, nèg yo tellement t'es terrible, yo gaspiller plaque là parce que 6 mois après on fait parler ballon. C'est chance que nèg t'es pas. Mais son chance. Ils ont eu un indice, ils ont eu la vague Xaiwan Gramax et puis yo bon chance. Comme c'est que les papita Lundu qui gagne tes oreilles. Le flair. Ah mais c'est là que tu as besoin des gens qui ont le flair. Tu vois, tu as besoin des gens qui ont le flair qui prend artiste là qui lague œuvre là d'un premier jet, mais le monte niveau. Et puis qui n'a besoin font ti baisser là, font ti baisser là. Donc on vient une synthèse. Mais là que on a facilité à comme on voulait pour musique arrêter, c'est de la musique jetable. Tu l'entends 3-4 mois et puis après ça tu n'entends plus. Donc ce qu'il faut faire c'est retourner à la qualité. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux groupes. On pas choisi l'autre. Okay. N'en déplaise à l'autre monde, c'est pas que l'autre tu pas gagné des morceaux non, mais monsieur ça chaque plaque qui a été fait marquer histoire. OK, retourner à la qualité il pas sujet à on aventure avortée tout. La question c'est ça. Retour à la qualité et choix de stratégie musicale. Il faut associer les deux. Ouais. Il faut associer les deux. Ouais. Et avec un modèle de management. Modèle de management, on n'a pas besoin de prendre loin, non. Nous avons pris l'entropique en acceptant Deep Express. Vous ne pensez qu'il faut avoir un budget aussi, un budget promotionnel? Ah, mais écoute, si on parle de business aussi. Là, il y a un modèle management là? Oui. C'est son synthèse qui pour gagner. Modèle management, stratégie musicale, stratégie d'expansion. De vente. Mm-hmm. OK, puisqu'on vit non marché qu'on y a, que le CD ne se vend plus physiquement, la musique se vend au détail. Donc quelque part, nous t'as supposé faire plus quoi. Puisque au lieu d'acheter tout le disque, j'achète un morceau sur Amazon ou bien sur son plateforme. OK? Donc acheter musique là et puis donc maintenant, c'est dans les prestations qu'il faut investir dans les tournées. Ça ne concerne pas que le combat direct. Ça concerne la musique à l'échelle internationale. Il faut performer et bien performer. Moi, j'ai besoin de Green Megali Walk. Moi, je fais dimanche, je m'attends de Pink Floyd. C'est Pink Floyd. Eh bien, Pink Floyd, c'est walk psychédélique, walk progressive. Eh bien, force n'est que c'était spectacle. Oui. N'est que tellement fait de belles spectacles que musiciens ont des spectacles là. On a un pile jazz, pas qu'un spectacle. Surtout jazz cap mené. Jazz cap mené a fait jazz dans le contexte haïtien seulement. On a pris le cas de classe qui est sûr de sa force et force dit c'est dans jouer musique, il a une discipline musicale qui vraiment. Mais il n'est pas le premier groupe qui a une discipline musicale. Mais combien de temps ça va tenir? Non, mais justement, j'allais y venir. Discipline musicale, ça a fait. Par contre, si c'est notre tête négolier, fait que négio pas obligé, c'est bien dommage. Elle fait spectacle pour aller dans un festival. Bon, il a juste compté sur force. Il a compté sur le public. Il a compté sur le public par yo. Ça veut dire arriver crayon noir yo, de monde cap suivi yo. Mais c'est Miami, New York, Boston et puis Haïti. Et après, qu'on y a pour musique là lui-même. Pour musique là, l'aime dit musique là. Par contre, pas directement, la musique haïtienne, la chanson haïtienne, les ballades, etc. La musique fusion, bon, Belo, on est quand coup Belo, il s'en fout. Tu manges haïtien. Parce que monsieur classé international, et qui est-ce qui a fait le vivre plus bien? Et ça ou bien ça, d'après vous? Bon, l'international, il n'y a pas sorti. Ah ben, c'est l'international qu'il faut viser. Maintenant, pour aller vers l'international, il faut gagner plus de discipline toujours, il faut gagner une discipline de spectacle là, ou besoin, management. C'est là où besoin lui. Et au besoin de stratégie musicale. Parce que pourquoi les groupes africains marchent à l'international? Ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de rythme, de beat. Et quand on commençait, mal Montréal, mal dans ballroom, on commençait tendons musique, et puis on campait. Je ne sais pas qui vont pas me faire. Et puis on bon blanc. Blanc, par contre, il y en a qui mettent comparable, blanc, on campait pendant quelques secondes longues, le temps de chanteur a fini de parler, et puis il y a tant de compas à rentrer. Parce que normalement, structure musicale là est à réviser.
Ou quand la musique là lui même lui construit tout marqué par les mesures, les gon intro, les gon thème, les gon refrain, les gon couplet, les gon bridge. Ça veut dire les ponts, les gon bridge là et puis les gon le solo. Ça m'a de tout ton débat. Ça c'est la structure de la salsa qu'on a importé. Nous ca retourner sur débat ça quand on gain intro ou gain couplet. Oui, mais ta bouté fait le gain refrain. Eh ben oui, mais ils font l'autre structure depuis notre tête musique là. Eh ben c'est depuis notre tête là pour partir. Oui. Mais c'est comme ça me sonne. Ouais. On fait pen musique à tout bâtir. Moi prends ça comme exemple, mais c'est presque toutes les chansons de Tabou Kombo qui sont ben. Par exemple depuis le commencement. Mais c'est pour ça que c'est eux qui ont gagné la bataille contre Skaja. N'en déplaise à tout le monde. Oui. C'est eux qui ont gagné. Le roi ça qu'a fait. Bon, c'est bien dommage, nous voilà obligés de camper, mais qu'est-ce qu'on fait mardi prochain? Ah, Mounio pas le mal en ville. Mounio pas le mal en ville pour ton irrégularité. Mardi prochain, je parle à au Cap. Oui, il est au Cap. En mission au Cap. Très bien, très bien. Donc, bien. On a tourné, mais il faut que la demande. Est-ce que tu. Quoi? Est-ce que. C'est moi qui a pris pression. Est-ce que tu penses qu'on a épuisé Non, le sujet n'est pas épuisé. Le sujet n'est pas épuisé. Alors on va y revenir. On devrait y revenir. Voilà. Donc on peut continuer avec le sujet et puis avant de venir avec une autre thématique. Je vais déjà travailler sur une autre thématique. Ça nous permet de revenir sur celle. Tout à fait. Celle-là. Tout à fait. Tu vois. Donc voilà. Donc salut Leslie pour moi encore une fois. M'a salué Leslie. M'a salué Vardy. M'a salué deux trois amis captains de nous. M'a salué auditeur pour fidélité à émission Events là. Et parce que son émission très intéressant et puis animateur a mettait dans ambiance déstressante complètement. Ouais, d'ailleurs de bourriver bon côté monsieur pas ca stressé encore. Il nous manque la pizza. On pas ca bailler menti tout. Il nous manque la pizza. On pas ca bailler menti. Non, faut Events pas prendre en quel monde cap bailler menti parce que on est là pour apprendre. On est là pour échanger. Tout à fait. Tu vois, donc moi c'est une émission que je salue pour son style, sa portée et puis l'impact que l'émission produit sur tout le monde. Donc c'est me souhaite une bonne continuation et puis bon, nous sommes toujours là. All right, thank you very much. Merci Baudet. Et nous te recevons historien, le consultant historien amoureux de la musique. Valérie Polinis, tu vas bien? Et il paraît même que nous réglions le concert, mais écoute, c'est un plaisir pour nous-mêmes de régler le concert. Salut tout le monde qui t'attendait, m'a dit nous merci, et puis on va écouter une chanson, un dernier bail, on va en aller. Oui, un dernier.